Que la paix de Dieu soit avec vous tous, mes chers amis, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous saluons et nous comptons entrer la caillou avec réflexion sous parole, bon Dieu, jeudi, qui c'est vendredi 3 décembre 2021, dernier jour, réflexion sous parole, bon Dieu, pour semaine. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, matin, réflexion sous parole, bon Dieu, menez-nous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 22. C'est serviteur pasteur Abraham Kalis qui est toujours là pour servir dans le nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 22. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Mes amis, son paquet l'ordre, tout bagay yo net, tout verset yo net, c'est un yo à l'impératif. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, définitivement, en bas autorité cet esprit. Ça, c'est un bagage que nous besoin qu'on ait. Nous, tous chrétiens, nous, tout monde qui dit ou accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, non, eh bien, nous, tous, nous, en bas autorité cet esprit. Pas oublier, là, en bas autorité, il y a une force ou en bas autorité, il y a un monde, c'est que tout ça, là, c'est l'ordre, les passons l'ordre, ok? C'est l'ordre, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, pas fais ça, pas fais ça, pas fais ça. Donc, c'est ça qui a passé là, je dis à là, eh bien, apôtre Paul, animé par le Saint-Esprit, eh bien, l'effet nous connaît, premièrement, c'est pour nous toujours joyeux. Son impératif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un l'ordre pour nous toujours joyeux. En pile fois, il y a des gens qui ont posé question, mais comment on est toujours joyeux dans une situation difficile, moi, hier? Eh bien, qui t'aime dire une parole? Pas oublier sa parole, bon Dieu dit, dans Jean chapitre 14, verset 15-16. Jésus dit, m'bralé, mais m'a voué consolateur pour nous. Le Saint-Esprit, le consolateur, est toujours là avec nous pour nous consoler. Ça veut dire que dans le moment de tristesse, l'Esprit, bon Dieu, il est là. Et c'est peut-être ça, on va le joindre. Dans le verset 19, apôtre Paul, pral passe l'autre l'ordre en bas, autorité Saint-Esprit, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire pas éteindre l'esprit bon Dieu qui n'en roue. À partir du moment où l'esprit bon Dieu qui n'en roue, l'éteint, eh bien, qui s'est passé? On vient pas de substance lorsque situation difficile y arrive pour capable traverser avec cœur joie. Bien-aimé dans le Seigneur, en pile fois, l'on où un chrétien, malgré les persécutions, malgré les difficultés de la vie, où est moun ça toujours avec cœur content, ou à mander le côté de jeune qui est content ça, eh bien, réponse ça très simple, c'est parce que les gagnants, l'esprit bon Dieu, la kaili, à savoir le consolateur. Gloire à Dieu. Priez sans cesse. Pas oublier la prière, c'est le moyen de communiquer avec Dieu, le moyen de communiquer avec Dieu, bien sûr. Donc, par conséquent, le nous était constamment dans la prière, c'est que normalement, dans la présence de Dieu, nous restons constamment et ça vient nous permettre que nous venons gagner ça aurait énergie, nous venons gagner ça aurait force nécessaire pour que nous capables traverser les moments difficiles. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tendez bien, oui. En toutes choses, qu'on a pas le dire comme ça. En même temps, là, tout pour bail bon Dieu grâce. Oui, dans mes temps épreuve, c'est pour bail bon Dieu grâce, c'est pour bail bon Dieu gloire. Pour quelle raison? Parce que épreuve permet que nous grandissons dans lui-même. Épreuve permet que nous puissions. Épreuve fait nous faire plus expérience à Seigneur. Qui est ce monde qui a l'école pour aller faire une autre classe pour ne pas passer dans l'examen? Bah quoi, tout le monde. Bah quoi ça non, quoi tout le monde qui voulait prendre l'autre classe dans la vie, faudrait-il bien que le passer dans examen. Donc ou voulez aller faire philo, eh bien ou en réto, définitivement faut passer un examen. Ou voulez aller dans université, faudrait-il bien que ou passer examen officiel là. Donc c'est ça lié. Donc c'est qu'on s'allie. Donc dans ce sens là, si ou besoin grandir, ou besoin prendre étape, non bon Dieu, ou besoin grandir dans la foi, il faut l'épreuve de la vie bien sûr bien aimé dans le Seigneur. Donc par conséquent, dans l'épreuve, c'est pour bailler bon Dieu gloire, parce que c'est selon la volonté de Dieu à éprouver, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, tout ça arrive, c'est pour bien. Bon Dieu, pas jamais permettre rien arriver dans la vie, pendant qu'on marche avec elle, pendant que ou convaincu qu'on marche droit avec lui, et puis pour un bagage t'arrive pour malheur. Jamais, parce que notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu.
Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties. En pile fois aux jeunes prophéties. Bon Dieu qu'on a révélé ça qui passe dans le cœur. En pile monde comprend prophétie, c'est ça que seulement au dos qui pourra arriver au demain. C'est pas ça seulement. Il y a des bagages qui passent en dans le cœur, en dans la caillou. Il y a des actions qu'on pose ou fait en dans la caillou. Et puis qu'on est là ou bien on bagage qu'on pourra le faire demain. On pas connaît mais l'esprit bon Dieu grand temps qui connaît l'omniscience lui révèle les serviteurs soit aux servantes qui sont prophétesses soit aux serviteurs qui sont prophètes et puis qu'on a lui dit OK ou faites attention parce que demain met tel bagage tel bagage tel bagage ou capable dans situation pour faire pas faire tel bagage pas faire tel bagage pas mépriser prophétie ça parce que une bagage qui est important l'esprit bon Dieu lui-même l'aile ouvre yeux serviteurs ou servantes les sous même c'est juste pour capable épargner de un malheur pas mépriser la prophétie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ah, pas oublier, non? Monde qui a l'esprit bon Dieu, qui doit pas mépriser la prophétie, les doit faire avec un esprit d'intelligence. Ça veut dire que côté esprit de prophétie, il y a aussi esprit d'intelligence. Ça veut dire que avec intelligence que le Seigneur baou, l'esprit d'intelligence qui sortit dans l'esprit bon Dieu, eh bien, la permettre qu'on discerne qui ça qui est bon. Prophétie qui ça qui mauvais prophétie de manière que vous capable kimbe ça bon et pour capable faire route là abstenez-vous de toute espèce de mal abstenez-vous de toute espèce de mal en tant que servante et serviteur de Dieu nous pas capable laguer con nous dans tout mal non quel que soit mal là c'est pour nous prendre précaution bien-aimé dans le Seigneur ou c'est monde bon Dieu et sur c'est monde bon Dieu ou marcher en bas l'autre bon Dieu et puis quoi marcher en bas l'autre bon Dieu ou pas l'autre bagaille pour faire à nous rester dans l'obéissance et dans l'humilité. Donc, que bon Dieu bénisse, nous souhaitons passer un très bon week-end. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous, pour nous partager ensemble avec vous, réflexion sur la parole, bon Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 22. Donc, que bon Dieu bénisse, nous quittons dans deux plans, mes papa, bon Dieu, songez dans deux plans, mes papa, mon Dieu, ça fait un pas qu'à passer mal. Bon Dieu bénisse.